Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et même pas le temps de faire les présentations qu'on a déjà une première intervention. Ce serait des coups de feu et on va s'y rendre tout de suite. Donc comme vous le voyez actuellement je suis en brigade motorisée hein. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Ok d'accord donc j'ai un... Ok très bien. J'ai deux individus. Ok j'ai plein d'individus qui tirent. Je demande tout de suite. J'ai pas l'impression que ce soit sur moi qui veuille tirer. Je vais quand même me mettre en protection sur ma moto. Non, je vais... Hop, je vais y aller par là. Ok, d'accord. Ok, donc j'ai visuel sur les hommes. Ils veulent probablement attaquer le studio de cinéma. Donc j'ai tiré, j'en ai touché un, je l'ai même pas abattu. Ok, donc c'est une attaque dans le studio de cinéma. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, il est Delta Charlie Delta. Je voulais essayer de l'interpeller, mais ça a pas marché. Ok, c'est bon, les gars, c'est clean. La zone est sécurisée. Je vais aller voir le mec ici, là. Ouais, en fait, je sais même pas s'ils étaient tous armés, quoi. Ok, bon, je vais reprendre ma moto et je vais retourner en patrouille. Ouais, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui c'est brigade motorisée police nationale. Parce que les deux dernières fois, j'ai fait... Attendez, j'ai fait gendarmerie et puis bah faudrait peut-être faire police. J'ai une fois fait police municipale et une fois nationale. Mais bon, voilà, hein, aujourd'hui je fais la nationale, pas la mini. Wow, je commence à m'embrouiller un peu. Je fais la nationale, du coup ça m'a envoyé du lourd. Du coup j'ai pas de... Je vais pas être spécialisé dans les interventions de la route aujourd'hui, hein. Je vais prendre un peu tout ce qu'il y a. Et puis on verra. Hein. Est-ce que mon intervention c'est terminé? Ouais, c'est génial. Elle s'est bel et bien terminée. Vicious Animal. Bon bah. Non, on va pas prendre parce que. Parce que je sais ce que ça va être un puma qui va être là et qui. On va soit être obligé de le tuer, soit être obligé de le laisser. On peut pas faire une véritable intervention quoi. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a? Je regarde un peu les trottoirs, hein, si on a rien. Ah là là. Ah, ah non, par contre, c'est pas que j'ai pas envie de la prendre, c'est que ça va être un petit peu compliqué pour la prendre, cette intervention-là. Prisonnier, transport, kill red. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, les gars, mais... En tout cas, c'était en sapeur-pompier sur la plage, nageur-sauveteur. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne... Pour ne rien louper, car franchement, cet été, ça va annoncer du très très lourd. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de prévu cet été, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, donc un sapeur-pompier plage, pour savoir tout ce qui est prévu et qu'est-ce qu'il y aura de particulier cet été. Parce que franchement, il y a du très très lourd et je vous dis tout dans la vidéo qui est sortie hier. Allez, alors... tiens, je vais aller... Excusez-moi, c'est de ma faute. Je vais aller... Je sais plus parler, putain. Non, je vais aller... je me disais que je vais aller à l'aéroport, mais en fait, non, je vais pas y aller parce que j'y étais il y a pas longtemps. Twok. Ok. On prend. Ok, donc. Black colored carbonizer. Ok. On recherche un véhicule. Ok, je pense... Donc, la plaque, c'est 46EEK. C'est pas toi. Alors, 46EEK. Non, c'est un véhicule noir. Et je pense que ça va être un véhicule de sport. Hein. Ok, d'accord, donc il est... Ok, c'est bon, visuel sur le suspect. Je vois très bien qui est notre homme. Hein. Ok. Oh, punaise. Oh, punaise. Merde. Ok, j'ai même pas eu le temps de tenter de faire un contrôle que le mec, il est déjà... Ah ouais, il éclate tout. Ok, il faut que je l'interpelle. Je vais tout de suite appeler un autre véhicule. Allez, arrête-toi. Ok, j'essaie de tirer les roues. Le véhicule, il va pas tarder à être... Ok, punaise. Ah, il est incontrôlable, le mec. Allez, recharge. Me shoot pas. Faut pas qu'il me percute, parce que s'il me fait tomber, c'est foutu. Oh, punaise. Ok, il s'est coincé. Arrêtez-vous, au sol, police nationale, mettez-vous au sol, tout de suite. Oh punaise.
Oh, y a le feu, y a le feu. Oh merde, 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 merde. Faut pas qu'il pète à côté de ma moto. Oh putain. Ah, c'était bien parti. Bordel. Ah, fait chier. Ah, je suis mort, mais super bêtement, les gars. C'était super débile de vouloir aller chercher la moto. J'aurais juste dû appeler les pompiers. Ah là 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 là. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On reprend où on en était. Du coup, on va se reprendre une petite moto, hein. Hop là. On va juste la sauvegarder pour pas qu'elle disparaisse. Ah, c'était triste, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en vidéo de faire des grosses boulettes où je réfléchis pas trop et que du coup, bah, j'y laisse ma vie. C'est vrai que c'est assez rare, mais quand j'en fais vraiment, c'est vraiment des gros trucs quoi. Là, c'était super pas réfléchi. Oh, il y a les pompiers ici en intervention. Qu'est-ce qui se passe? Bah, apparemment, ça a pas l'air d'être bien bien ouf. Et lui, il est sur son téléphone alors qu'il est en intervention. Ok, bon. Bah, je vais retourner sur le lieu de l'accident là pour voir où est-ce que j'ai perdu la vie, malheureusement. Et pour me remémorer. Me remémorer. Eh bah, je commence à être dyslexique. Plus je suis youtubeur, plus je suis dyslexique. Allez, donc c'était au bout de la rue, à gauche. Tout en bas, ouais, c'était ça. C'était bel et bien ça, c'est triste. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc là je recherche un nouveau véhicule. C'était ici que malheureusement bah, il a fait un trou droit. J'ai mis un auto là et je suis décédé. Allez, je vais essayer de retrouver ce suspect sans me tuer ce coup-ci. Parce que ce serait dommage, hein. Donc si la voiture prend feu, bien faire attention à ne pas aller chercher la moto. On va couper ça. Ok. D'accord, donc en fait il me l'a localisé. Ah ouais, très précisément en plus il me l'a localisé lui. Ok, donc elle était là-bas. Elle est passée par ici. Mais je sais pas où est-ce qu'elle a pu aller après. Ok, c'est pas lui. Si, si, je pense que c'est lui. Ok, c'est lui. Allez. Je fais un petit arrêt. Enfin. Ok, nickel. Il s'est arrêté, lui, il veut bien coopérer. Allez. Venez, monsieur. On va se mettre un peu plus sur le bas-côté, quand même. On va se mettre dans la ruelle, ici. Oh, mais il est con, lui. Ah, ouais, lui, il est. Après tout, c'est sa voiture, hein. Il fait ce qu'il veut. Là, si jamais il veut faire un délit de fuite. Merde, putain. Wow. Attendez, j'ai sans faire exprès, j'ai annulé le contrôle. Je lui ai redit, il va s'arrêter là, j'espère. Nickel. Ok, excellent. Ah ouais, là c'est cool. Ok, bon. Je vais juste attendez. Hop, le temps, je vais remettre à midi comme ça va être. Ok, délit de fuite, ça part en délit de fuite, très bien. On prend. Très bien, ça part. Ok, donc là tout de suite, hop, j'appelle un collègue. Juste un, parce que si j'en prends 150, ça va vite être ingérable. Déjà que un, vous voyez comment il est, le mec. Ok, on va lui crever les roues. Faut que j'essaye de. Oh, d'accord, je me fais attaquer par tout le monde. Là, on va quitter la zone directement, hein. Ok, il a deux roues de crevé. Il en a trois, il en a trois, trois roues de crevé, trois roues de crevé. Ok, la quatrième aussi normalement. Ok, les quatre roues de crevé. Quatre roues de crevé. J'appelle un autre officier en renfort parce que l'autre il a dû se perdre, je pense. Allez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous au sol. Je suis en train de me faire tirer dessus par des individus. Coup de feu par des individus. Mon suspect qui se barre en courant. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ok, bon. Hop, pistolet paralysant, on va pas perdre de temps. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ok. Allez. Debout, debout.
Allez, allez, au sol, au sol, au sol, tout de suite. Je voulais le menotter quand il était debout, mais en fait, non, on va le laisser au sol et on va le menotter quand il sera au sol. Allez, voilà. Et là, on est cool, là. Ah, qu'est-ce qui vous prend là, hey? C'était super dangereux, en plus vous avez créé une fusillade. Du golin n'importe quoi. Allez, hop là, bon du coup, moi. Hop, il y a un véhicule qui va venir le chercher. Wow, hey, les collègues, faites gaffe, hein. Donc moi, je vais tout de suite bien retourner en patrouille, hein. Hop là, on va se remettre disponible. Bon, nickel, tout est déjà good. Allez, hey, les collègues, c'est des grands malades. Ok, on a un autre truc avec un véhicule. En fait, j'adore les trucs où il y a des courses-poursuites parce que je peux tirer partout et tout. Ok, bon, on a des personnes recherchées dans un véhicule apparemment. On va essayer d'interpeller ça. Eh, c'est la première fois que j'aurais autant tiré dans une vidéo, là, je crois. Hein. Ok, mon véhicule de suspect, il est là-bas, il est localisé, il tourne à gauche. Très bien. Je pense qu'ils savent. Ils ont dû se rendre compte que c'était pour eux. Non, vas-y, vous savez quoi, je vais y aller avec le pompe. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. Alors, est-ce que vous avez... Oh, je viens de me faire taser, je viens de me faire taser. Oh, punaise, le mec, il m'a tasé, il est sérieux. Ok, TN71 à toutes les unités, je viens de me faire taser par un individu, là, qui a renversé ma moto. Et je peux plus remonter dessus. Ok. Ok, nickel. Ah ouais, le mec, il a bombardé. En plus, il... Ah, il a l'air bon, hein. J'ai failli louper la sortie, en plus. Ah, lui, je vais pas le louper. Ok, il est passé tout au bout à droite. Punaise. Ok, ça tourne à gauche, après. Ça tourne à gauche. Ok, nickel. Alors, il est où? Ok, il est là-bas. Visuel, je suis juste derrière le suspect, je demande deux unités en renfort, là deux, parce que le mec, je sais qu'il est armé déjà de base. Ok. Ah ouais, contresens et tout, là, lui c'est un grand malade, lui. Ok. Ok, une route crevée. Ça tape dans l'arrêt de bus, ça tape dans l'arrêt de bus. Descendez du véhicule, police nationale. Au sol, au sol. Ne m'obligez pas à tirer, au sol. Ah ouais, non. Dangereux, hein, le suspect, hein, dangereux, hein. Ouais. Ok, nickel, good, ils sont où les collègues? Eh bah, vous venez juste d'arriver. Ok, parfait. Eh bah, j'appelle un véhicule. Et puis nous, on va tout de suite reprendre une petite course poursuite. Ok. Je sais que mon véhicule est pas adapté pour le transport de personnes, mais j'ai appelé un véhicule. Oh, une tentative de meurtre. Ok, bon. On va y aller tranquillement. Ok, donc je vois où est-ce que c'est. Très bien. Ah, mais là, il y a une tentative de meurtre. Ok, j'ai mon suspect, j'ai mon suspect. Ah bah merde, je lui ai mis une balle dans la tête. Ah bah... C'est dommage. Ok, bon bah... Je vais faire venir les pompiers. On est juste à côté de la caserne, ils vont arriver super rapidement en plus. Ok, nickel. 74 mètres, tu m'étonnes, 74 mètres. Allez les gars, venez. J'ai une histoire à vous raconter. Alors, le SAV, lui, 315. Ok, salut les gars. Alors en fait, c'est bah il a voulu tirer sur la, enfin il a voulu mettre un coup de couteau à la personne. Je pense qu'il l'a fait. Et puis bah moi bah j'ai voulu me défendre la personne, sauf qu'elle était déjà morte et je lui ai une balle dans la tête sans faire exprès. Allez, je vous laisse faire votre travail là. Ok, il y a le VSAV qui se présente. Alors est-ce qu'il va pouvoir me ranimer ni l'un ni l'autre? Oh, c'est dommage. Et les coroners? Ok, nickel. Hop, bah y'a les coroners qui arrivent, hein. Et puis du coup, bah nous, redisponible pour une nouvelle intervention. Hop là, c'est où qu'on est là? Oh, c'est super stylé. Allez, hop.
on va ici. Et puis bah attendez, il faut que je me remette end call, c'est bon, c'est fait. Grand Theft Auto. Et bah pour changer. Allez. Pour changer. Une course poursuite. Hop là. Oh oh oh. Waouh waouh waouh. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé là, apparemment j'ai pas réussi à faire une esquive du taxi. Ah ouais, il bombarde hein. Ah lui il bombarde, lui il est chaud lui. Ok. Première à droite. Oh merde, oh putain, je vais manger tous les trucs qu'il y a sur la route, moi c'est incroyable. Allez. Ah ouais, non, il roule sacrément vite. On va rester en. Ah ouais non. On va rester en fuel de ton là. Ah ouais non, il roule aussi vite que moi, c'est une moto oui, qui poursuit ou quoi? Allez, on s'écarte. C'est la police. Ah ouais non, là le mec est bon. Waouh. Vous voyez ce genre de comportement là, il faut que je fasse super gaffe. On va se mettre en vue FPS. Waouh. Ok, ah oui, c'est une moto effectivement. Oh, il s'est planté. Ok, d'accord, le mec il s'est planté à 100 mètres d'un commissariat. On bouge plus, police nationale, au sol. Au sol, tout de suite, au sol. Eh bah. Franchement, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo, mais on enchaîne les grosses poursuites. Ah ouais, ça fait. Attendez, laissez-moi compter 3 ou 4 délits de fuite dans la vidéo, il me semble. Le mec, ils sont chauds. Et du coup, nous on repart directement, on se remet disponible, hein, parce que aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, les go fast, les délits de fuite, les refus d'obtempérer et tout. Là, les mecs, ils sont grave chauds là. On aura fait 12 km dans la vidéo. Bon, c'est absolument pas RP, hein. Mais bon. Notre travail, c'est d'être policier et d'arrêter le crime. On arrête le crime comme on peut, les gars. Eh bah punaise, on a encore une intervention où c'est une personne recherchée dans un véhicule qui a été localisé. Vous savez quoi, je vais vous faire des vidéos Fuel RP. Seulement, je vais mettre Fuel RP dans le titre. Oh là là. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire des vidéos super RP à la pointe de la technologie. Et je vais en faire une de temps en temps. Mais genre, ça va être ennuyant, parce que si je décide de faire du RP à 100%, ça va être très long. Hein. En 20 minutes, je vais faire 2 interventions, même pas. Dans la vraie vie, une intervention, c'est une demi-heure pour la police. Alors que moi, là, en 20 minutes, j'en fais 5 ou 6. Enfin, en même temps, c'est GTA. Hein. Ok, waouh, le mec, il... Ah oui, il est chaud. Hein. J'ai pas trop compris ce qui se passait, pourquoi ils m'ont fait changer de route au dernier moment. Oh, waouh. Mais... Vous imaginez un motard de la police comme ça dans la vraie vie, lui il est mort depuis longtemps. Bah déjà je suis mort dans la vidéo parce que ma moto elle m'a pété à la gueule. Mais c'est compliqué hein. C'est pas donné à tout le monde d'être policier brigade motocycliste. Attention. Mais le mec là il bombarde ou quoi? Ouais je confirme, il bombarde vraiment. Ok, ouais, il faudrait une moto plus puissante hein. Il faudrait qu'on ait des Megan RS de gendarmerie, police nationale. Ok, il est où? Il est là. Punaise. Ah ouais, mais là... Il est même pas en train de faire un délit de fuite qui me trace déjà, le mec. Putain. Ah, il pile, mais n'importe comment aussi. Allez, sur le côté, tranquillement. On va juste se mettre un peu plus sur le côté, parce que là, t'es un peu en plein milieu de la voie de circulation, mon gars. Je remets la moto dans le sens du départ. Je prends mon fusil à pompe. Hep. Au sol. Au sol. Au sol. Attendez, la meuf elle a disparu. Au sol, ok, très bien. Allez. Au sol, monsieur, au sol. C'est la police. Vous inquiétez pas. Eh, mais. Elle est où la meuf? Eh, mais monsieur. Monsieur. Revenez là. Allez. Mettez-vous au sol tout de suite, coopérez là. Ne jouez pas au con. Il doit être alcoolisé, je pense.
Allez, on va lui passer les menottes. Ah ouais, d'accord, les véhicules ils vont lui rouler sur la tête là. Ok. Ah merde, mais putain. André. Je vais appeler un véhicule tout de suite pour transporter André. Il m'a l'air bien alcoolisé. Il va faire un petit séjour en dégrisement lui avant. Waouh. Ah, ça m'a. J'ai des palpitations au cœur là. J'étais pas prêt à ce qui vient d'arriver. Punaise. Ça fait peur, hein. Ok. Les collègues, ils vont le récupérer. Ils pouvaient pas se mettre autrement aussi, eux. Allez, bon, du coup, les amis, c'était Drixiz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de la vidéo. On a fait pas mal d'interventions, beaucoup de courses-poursuites. Hein, le petit débrief de fin de vidéo, comme à chaque fois. Donc, beaucoup de courses-poursuites quand même. Hein, c'était assez cool, assez. Enfin, pas très, j'allais dire assez varié, mais en fait, pas trop, étant donné qu'on a fait beaucoup de fois la même chose. Mais à chaque fois, les courses-poursuites sont différentes, malgré le fait que ce soit toujours une course-poursuite. Mais c'était Drixiz, les amis. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire et un like aussi si vous avez kiffé. Et du coup, les amis, c'était Drixiz et ciao, bye bye.